On connaissait le constructeur Medion surtout pour ses ordinateurs. Eh bien, il propose une tablette qui s'appelle la LifeTab S10351 et qui coûte 230 €. Nous allons voir ce qu'elle vaut. Pour le prix, cette tablette se distingue de la concurrence car elle peut communiquer non seulement en Wi-Fi, mais elle dispose aussi d'un emplacement pour carte SIM. Cela lui permet de communiquer en 4G si vous avez par exemple un abonnement de type data. Et ainsi, vous pouvez donc vous connecter à Internet même si vous n'avez pas de hotspot Wi-Fi à proximité. Le design de la tablette est un petit peu mastoc, mais on apprécie le dos qui est en métal. Côté écran, la qualité est plutôt bonne, avec un très très bon contraste, une définition correcte. Par contre, on regrette un manque de luminosité qui fait que la tablette sera difficile à utiliser en extérieur, surtout en plein soleil. Avec son processeur à 4 cœurs, la tablette de Medion se veut polyvalente, ce qui est effectivement le cas. On peut faire tourner la plupart des applications, y compris les jeux à condition qu'ils ne soient pas trop gourmands en ressources. Côté stockage, c'est du classique avec 16 Go de mémoire flash qu'on peut étendre soit par l'ajout d'une carte SD ou par l'ajout d'une clé USB, car Medion a la bonne idée de fournir un câble USB on the go qui permet donc de brancher une clé USB sur la tablette. Mais le gros avantage de ce modèle est son autonomie, puisque nous avons dépassé les 12 heures, que ce soit pour surfer sur le web ou pour lire des vidéos. En revanche, il ne faut pas compter utiliser cette tablette comme caméscope ou appareil photo d'appoint, car la qualité des photos et des vidéos est vraiment pas bonne. Pour 230 €, cette tablette est plutôt une bonne affaire, en particulier si vous avez donc un abonnement 4G de type data, ce qui vous permettra de mettre la carte SIM dans la tablette et donc de surfer sur Internet sans hotspot Wi-Fi. Les performances sont bonnes, l'autonomie est excellente, mais on regrette surtout la faible luminosité de l'écran qui est vraiment le point faible de cette tablette Medion.